Des changements ont été effectués sur les séries Marvel de Netflix, désormais disponibles sur Disney+ aux États-Unis. Cela a notamment été le cas de Luke Cage, pour le plus grand regret du showrunner de la série. Il y a quelques semaines, les séries Marvel de Netflix ont quitté la plateforme pour rejoindre les autres productions du MCU sur Disney+, disponibles aux États-Unis et dans quelques autres pays. Les 6 programmes ne sont pour l'heure pas encore présents dans le catalogue français de la plateforme SVOD. Les internautes américains ont néanmoins pu constater des censures sur ces séries Marvel. Cela a notamment été le cas sur Luke Cage, alors qu'un hommage au regretté comédien Reggae Cassay, qui campait le père du super-héros dans la saison 2, a tout simplement été effacé par Disney+. Un acte qui a entraîné la colère du showrunner de la série, Cheo Odari Coker. Pourquoi avoir fait ça? Cassay formait le cœur et l'âme de la seconde saison. Nous ne nous sommes pas sentis forcés de lui dédier la saison suite à son décès, mais nous l'avons tout simplement fait parce que nous l'aimions et qu'il nous donnait beaucoup de force. Les représentants de Disney+ n'ont pas encore réagi à la polémique, mais bon nombre d'internautes ont plaidé l'accident, et non l'intention. L'hommage au comédien a simplement pu être effacé involontairement au moment d'enlever le logo Netflix qui apparaissait avant chaque épisode de ces séries coproduites par la plateforme et les studios Marvel. On ignore encore à quelle date les 6 séries Marvel rejoindront le catalogue français Disney+, Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, Punisher et The Defenders. Rappelons que de premiers crossovers entre ces séries et le MCU ont eu lieu à l'occasion des apparitions de Matt Murdock dans Spider-Man No Way Home et du Kaïd dans la série Hawkeye.